Là, on est à quelques heures du départ de Beni. Donc, Mokil Mombabozo Talabiso, Tozana Katia QG, Tozana Bureau. Et vous voulez être rassuré. Ben, le président est là. Comme vous êtes en train de voir, donc, le président est là. Naibik Batounir, sur vous tous, vous étiez inquiet de savoir où se trouvait le président. Pourquoi depuis 3 jours, Bozo Lukabomona, pourquoi il y a eu le report. Tout ça, on va vous dire à Je la suis parti télévision. chercher l'avion et je suis parti chercher les jets. Je viens d'arriver. Regardez, ma valise est là. Tout est là. Ma valisette. La valise est prête. Voilà, je viens de ramener le jet. On a commandé 3 avions et nous avons signé un contrat pour 3 avions, mais avec l'autorité de l'aviation civile ici, c'était très difficile. Pour une fois au monde, on dit qu'il faut que les inspecteurs de l'aviation civile d'un pays aillent sur le lieu où se trouvent les avions, les contrôler et pour les certifier. Bon, il y a un jet que j'ai ramené, donc maintenant la campagne va commencer et nous serons debout partout et nous attendons encore les 2 avions qui vont venir parce qu'il y a des endroits où ce jet-là ne peut pas se poser. Il faudrait des relais. Mais pour l'instant, nous allons commencer la campagne et je compte beaucoup sur vous. Je compte sur vos prières. Je compte sur, comment dire, vos conseils et ce que vous allez dire aussi aux autres membres des familles, surtout vous qui êtes à l'étranger, la diaspora, vos messages à vos membres des familles qui sont ici, à vos amis qui sont ici, parce que l'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas à la peu près. L'heure n'est pas aux gens qui vendent ou aux vendeurs de rêves. L'heure est aujourd'hui au sérieux, à l'alternance, ce que nous voulons. Nous voulons que le Congo sorte de ces trous dans lesquels le système Kabila l'a plongé. Nous voulons simplement que le Congo soit demain reconnu comme un pays digne, comme un pays prospère. La prospérité, c'est pour le peuple congolais. Nous travaillons pour ça. Oui, j'accepte ces surnoms de soldats du peuple. Oui, j'accepte ces surnoms de gardien du temple. Nous devons travailler pour le peuple. Je ne suis qu'un serviteur. Et merci pour cette confiance que vous me faites. Et merci surtout aussi à mes amis qui m'ont fait confiance de m'élire comme candidat commun. Il y a une mission que je dois remplir et je dois la remplir le 23 pour que le 24 au soir ou le 23 au soir, tous les Congolais sachent, que tout le monde entier sache que Fayulu a été élu président de la République en utilisant bien sûr le bulletin papier. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les Congos. Là, on est à quelques heures du départ de Beni. Donc, Mokil Mombabozo Talabiso, Tozana Katia QG, Tozana Bureau. Et vous voulez être rassuré. Ben, le président est là. Comme vous êtes en train de voir. Donc, le président est là. Naibik Batounir, sur vous tous, vous étiez inquiet de savoir où se trouvait le président. Pourquoi depuis 3 jours, Bozo Lukabomona, pourquoi il y a eu le report. Tout ça, on va vous dire à Je la suis parti télévision. chercher l'avion et je suis parti chercher les jets. Je viens d'arriver. Regardez, ma valise est là. Tout est là. Ma valisette. La valise est Voilà, prête. je viens de ramener le jet. On a commandé 3 avions et nous avons signé un contrat pour 3 avions, mais avec l'autorité de l'aviation civile ici, c'était très difficile. Pour une fois au monde, on dit qu'il faut que les inspecteurs de l'aviation civile d'un pays aillent sur le lieu où se trouvent les avions, les contrôler et pour les certifier. Bon, il y a un jet que j'ai ramené, donc maintenant la campagne va commencer et nous serons debout partout et nous attendons encore les 2 avions qui vont venir parce qu'il y a des endroits où ce jet-là ne peut pas se poser. Il faudrait des relais. Mais pour l'instant, nous allons commencer la campagne et je compte beaucoup sur vous. Je compte sur vos prières. Je compte sur, comment dire, vos conseils et ce que vous allez dire aussi aux autres membres des familles, surtout vous qui êtes à l'étranger, la diaspora, vos messages à vos membres des familles qui sont ici, à vos amis qui sont ici,
parce que l'heure n'est pas à la distraction, l'heure n'est pas à la peu près, l'heure n'est pas aux gens qui vendent ou aux vendeurs de rêves. L'heure est aujourd'hui au sérieux, à l'alternance, ce que nous voulons. Nous voulons que le Congo sorte de ces trous dans lesquels le système Kabila l'a plongé. Nous voulons simplement que le Congo soit demain reconnu comme un pays digne, comme un pays prospère. La prospérité, c'est pour le peuple congolais. Nous travaillons pour ça. Oui, j'accepte ces surnoms de soldats du peuple. Oui, j'accepte ces surnoms de gardien du temple. Nous devons travailler pour le peuple. Je ne suis qu'un serviteur. Et merci pour cette confiance que vous me faites. Et merci surtout aussi à mes amis qui m'ont fait confiance de m'élire comme candidat commun. Il y a une mission que je dois remplir et je dois la remplir le 23 pour que le 24 au soir ou le 23 au soir, tous les Congolais sachent, que tout le monde entier sache que Fayulu a été élu président de la République en utilisant bien sûr le bulletin papier. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les Congos. Travailler pour le peuple, je ne suis qu'un serviteur et merci pour cette confiance que vous me faites et merci surtout aussi à mes amis qui m'ont fait confiance de m'élire comme candidat commun. Il y a une mission que je dois remplir et je dois la remplir le 23 pour que le 24 au soir ou le 23 au soir, tous les Congolais sachent, que tout le monde entier sache que Fayulu a été élu président de la République en utilisant bien sûr le bulletin papier. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les Congos.